Mardi 27 septembre 2022. C'est un autre bloc la joie qui remplit cœur pour nous rencontrer encore une autre fois dans l'étude biblique là. Et nous dit l'Éternel merci. Nous saluons tout côté situé. Nous pas chambou que dit l'Éternel merci. Côté que l'Éternel permette. N'ap marché là pour nous joindre 6 ans d'études bibliques sans nous pas jamais perdu un jour. Il est vrai que 6 ans loin toujours, oui. Juste 28 février. Mais l'Éternel a permis de nous arriver. 6 ans sans perdre même un jour. Nous prions, bon Dieu, non. Merci Dieu Tout-Puissant pour faveur, pour grâce, pour miséricorde envers nous. Merci pour puissance, le Saint-Esprit. Merci pour l'amour qui va bien bonne, cher Papa, que vous continuez à manifester envers nous, envers le travail là. Merci pour petit tout, tout côté aussi situé, cher Seigneur, ou accompagner l'Éternel, Papa. Et non la guerre ça au l'Éternel Papa cap vivre dans continent africain, non la guerre ça qui dans continent asiatique là, dans continent européen, dans continent amérique là, cher Seigneur. Et non la guerre ça yo qui attendait étude la kounia et ça yo qui gain pour attendre dans le futur, n'a mandé l'Éternel Papa permettre que travail ou capable traverser, transcender les cœurs, traverser les frontières et traverser langue l'autre langage, cher Seigneur. C'est ça nous demandons. Nous là gars frère Boubé Aristide avec toute famille, Jack Johannes, Jack Rebecca, c'est Colette, Maestro Junior, c'est Inariz, c'est Velouze, et nous la gué tout dans mon moment ça. Et Vanel et Steven, ingénieur de Rosier, c'est Clernite, avec toute famille, l'Éternel Papa, c'est Katiana. Nous la gué dans mon également, Dieu Tout-Puissant, toutes les branches Parmélis, toutes les branches Verdieu, toutes les branches Altidor, toutes les branches Joseph, frère et sœur, c'est Dieu, toutes les branches Dorilas, et frère et sœur, et Kenel Joseph, c'est Edmond Joseph, non la gué tout nan mon, non la gué c'est André Saint-Éloi, avec toute famille, l'Éternel Papa, et non la gué tout l'autre monde, non pas bien chance pour nous citer nous yo, et tout nan mon, tout Jeannette yo nan mon cher Père, non prie au nom de Jésus. Encore frères et sœurs, non salue tout côté situé ou, l'Éternel permet nous rencontrer encore, oui, lui permet nous rencontrer encore. Frères et sœurs, tant qu'on a toujours dou ça, bagay l'Éternel plus raï sous la terre. Plus raï sous la terre, c'est idole. Et cause qui fait Babylone, l'Éternel divorcé à Babylone, crasé Babylone, c'est idole. Et c'est même la guerre qu'on a idole ça qui fait l'Éternel te lever contre le peuple Israël là, frères et sœurs. L'Éternel dit dans verset 18 là, Jérémie chapitre 51, elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie, elles périront quand viendra le châtiment. Et c'est qui elle ça? Pirolité dit lui, car ces idoles ne sont que mensonges, il n'y a point en elles de souffle. C'est pi gros, m'a répété l'encore, c'est pi gros mal. Yon moun te ka fè bon Dieu. Lè wap adorer démagogie. Lè ou pran les éléments de la nature que l'Éternel bayi pou servi nou. Pou pran wap adorer. Frères et sœurs, ou konnen en Haïti, nou gran pile trou nan montagne yo ke yore les grottes. N'a pe dou ça. Et moun ki fè étude avancée yo nan seri de pays côté ki gen grotte,
Grotte yon bon série de richesses extraordinaires la dan. Malheureusement, nous même les Haïtiens, nous pas qu'être bekeke noyé. Au lieu que nous ta essayé chercher qu'on est richesse qui gen nan grotte yon nan mon yon, qui ta rend pays non développé, non plutôt chercher yo pour nous à chercher bagay le venir les non joindre des éléments pour nous ta servir, eh bien non pour yo non adorer yo. Ou comprendre que dans pays développé a les moun nan joindre un diamant, li joindre un gros roche, un bagay, la l'étudier pour voir qui ça gen la donne, qui ça le ka utile li. Et pourtant en Haïti, les non gen type de kasa yo, on prend non prend bagay là pour nous adorer. Li bon Dieu pour nous descendre devant pour nous adorer. Ah ben frères et sœurs, des pourtant de l'Éternel révolté contre une nation, ou pas besoin poser grande question. Ou mettre prend première réponse là pour prendre, c'est parce que vous lagué corps dans idole. Première réponse là, c'est parce que vous lagué corps dans idole. Après quoi ou a réfléchi sous l'autre élément de réponse yo. Verset 19, anon li quelques versets. Nap li 19-21. Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme elle, car c'est lui qui a tout formé, et Israël est la tribu de son héritage, l'Éternel des armées est son nom. Tu as été pour nous, pour moi, un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations, par toi j'ai détruit des royaumes. Par toi j'ai brisé le cheval et son cavalier, par toi j'ai brisé le char et celui qui était déçu. Par toi j'ai brisé l'homme et la femme, par toi j'ai brisé le vieillard et l'enfant, par toi j'ai brisé le jeune homme et la jeune fille. N'ap campé là, mais n'ap joine reste par toi toujours, oui. N'a besoin toujours. Alors, à qui est-ce l'Éternel a parlé comme ça? Frères et sœurs, l'Éternel a parlé à Babylone. Étendez ça, l'Éternel dit là, celui qui est la porte de Jacob n'est pas comme elle. Ça veut dire, bon Dieu qui crée toute bagarre, il pas même avec vieille idole que Babylone a pas adoré yo. Parce que c'est bon Dieu qui formait toute bagaille. C'est ça verset 19 là dit non là. Et Israël est la tribu de son héritage. Israël c'est tribu héritage l'Éternel et on dit l'Éternel des armées est son nom. Ouais. Donc ça veut dire non bon Dieu Israël là c'est l'Éternel des armées. Hein? Donc et Babylone, l'Éternel t'est servi Babylone, a servi à Babylone, mais li pat konnen Babylone comme moun ne. D'ailleurs, Babylone a fait mauvais bagay. Tande ça ou di la, l'Éternel dit, tu as été pour moi un marteau, ou konnen un marteau li la pour clouer, pour déclouer. Hein? L'Éternel dit, m'te servi avant comme un marteau, yon instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations avec Babylone, l'écrasé en série des nations, il dit moi détruit en série de royaumes par ou même, ça c'est verset 20, dans verset 21 il dit par ou même moi détruit cheval l'ensemble avec cavalier li, moi détruit tout char de guerre yo et avec monde qui était sous yo, m'ai utilisé pour ça. Par ou même moi brisé l'homme et sa femme et la femme. Pas ou même moins briser le vieillard et l'enfant, pas ou même moins briser et ça quoi dans l'autre langage on gagne d'écraser, détruit le jeune homme, la jeune fille. Mais tout ça l'Éternel dit, il dit pas ou même moins briser ou moins écraser le berger et son troupeau. Ça veut dire moun k ap gade gado bête là ensemble avec toute bête yo. Pas ou même l'Éternel dit moins détruit la boue ensemble avec bœuf lio. Pas ou même moins briser un paquet de gouvernement avec chef qui t'a dirigé yo. Donc l'Éternel utilisé Jacob à part Jacob non et Babylone pour faire toute bagaille ça yo.
mais Babylone pas doué mettre dans tête li li tellement li son bagay tellement extraordinaire hein l'Éternel comme si l'Éternel pas ta gain pouvoir sur lui parce que faut que nous dit ça oui yo té rivé non degré et tellement senti yo insulté yo tellement senti yo pas insulté non yo tellement arrogant yo insulté l'Éternel yo insulté le peuple de l'Éternel oui peuple Éternel là pas doué trouver là mais par désobéissance yo trouvé là mais c'est pas ça qui vous fait dit mauvais bagaille sur l'Éternel frères et sœurs ouais yon monde qui fait parler l'Éternel mal moun sa c'est plus gros poids lourd de ka mettre sous tête li malheureusement nous avons paquet monde qui l'église qui dit a servi bon Dieu les fini yo fait moun nan monde la parler l'Éternel mal map dou ça ou fait parler l'Éternel mal l'Éternel a châtié ou pour ça et moun qui parler l'Éternel mal là l'a châtié tout parce qu'il pas gain droit parler l'Éternel mal l'Éternel pas bal l'homme comme exemple c'est l'Éternel qui bon Dieu si on monde qu'on parler l'Éternel mal plutôt courir à demander l'Éternel pardon pour ramasser pied ou parce qu'on pas gain droit parler l'Éternel mal l'Éternel pas fait rien de mal alors l'Éternel dit là dans verset 24 là je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée tout le mal qu'ils ont fait à Sion sous vos yeux, dit l'Éternel. Tout ça, Babylone te fait à peuple juif là. Tout ça, elle te fait, tout gens te maltraité. L'Éternel dit, libre le rendre tout mal yo te fait. Pas oublier, Paul l'a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, frère Naël, nous tournons encore sur ça, surtout. Question ça c'est des questions à poser tout le temps mais l'Éternel dit là encore il dit je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée hein, tout le mal qu'ils ont fait à Sion sous vos yeux dit l'Éternel pas oublier là on parlait de Chaldée c'était un autre nom encore tu capable avec Babylone à telle sorte que tu relé habitants les Chaldéens vous comprenez frères et sœurs alors là nous continue frères et sœurs, il dit voici, j'en veux à toi montagne de destruction, dit l'Éternel, à toi qui détruisais toute la terre. J'étendrai ma main sur toi, je te roulerai du haut des rochers et je ferai de toi une montagne déboisée. Ah! Donc ça veut dire l'Éternel montrer que toute vierge, toute forêt toute belle bagaille Babylone te gagne yo l'Éternel va le détruire tout l'Éternel il va l'étendre men li va le rouler li et dans tête mon côté il te a la prendre la rouler là la plaguer là bas hein jusqu'à ce que li calé tête li l'Éternel va le faire bagaille. L'Éternel dit, on tirera de toi ni pierre angulaire, alors ni pierre angulaire, ni pierre pour fondement, car tu seras à jamais une ruine, dit l'Éternel. Donc, il n'y a pas besoin encore pour servir, pas besoin de Babylone encore pour servir à Babylone, frères et sœurs. Vous nous comprenez ça, oui. L'Éternel dit, il n'y a pas besoin encore comme bagage qui a importance encore. Parce que Babylone dit là qui connait en orgueil, il comprend ni son paquet de bagaille, mais ça te faut sortir ya et l'Éternel a crasé. Pas oublier me connait non ça me dit non quelle que soit nation ouais sur la terre. C'est à partir de l'Éternel qui fait le salier ya. Oui, les ovins ça oui ya, yo rejeté l'Éternel. Mais si l'Éternel pas de vlo sortir ya. L'autre a compris, on a marché pour ça, on voulait à l'Éternel t'a opposé, l'Éternel t'a empêché de river, s'il quitte le river, c'est parce que l'Éternel jugeait nécessaire hein, et qu'il veut quitter le river. Amen. Si l'Éternel qui quitte le river, qui ont fait comprendre, pour négliger l'Éternel.
Frères et sœurs, m'songe m'ta dit une fois dernière là, ça dans étude biblique, gon série de moun les a parlé surtout monsieur qui a connaissance yo, yo traité en série d'événements l'Éternel a fait au droit ça c'est la nature. Mais la nature gon mettre. La nature gon mettre c'est l'Éternel qui t'a créé la nature. La nature va devenir de lui-même non. Hein? L'organ les athéistes cap dit que qui t'a fait toute bagaille était venu en ya et pas vrai les athéistes les chita yo même yo réfléchi yo ça yo dit c'est pas vrai thèse yo avancé yo c'est pas vrai oui yo pas veulent obéir à principe là puisque yo choisi la condamnation mais yo connaît avec certitude oui frères et sœurs que la nature gain mettre li te créé en mais son façon pour me dire non les on moun ou ta wè et tel bagay ap marcher pour ou pa vle bay gloire à l'Éternel ou dit c'est la nature ou dit c'est ceci ou dit c'est l'autre bord et c'est la nature qui vinn grande puissance c'est parce que pays ou la te grand pile richesse. Frères et sœurs, bon verset nous te jwenn à peu près verset 27 ça que n'a pli là qu'on y a là. Élever une bannière, nous tournons dans Jérémie chapitre 51. Élever une bannière dans le pays, sonner de la trompette parmi les nations, préparer les nations contre elle, appeler contre elle les royaumes d'Arara, de Mini, d'Askenaz, établissez contre elle des chefs, faites avancer des chevaux comme des sauterelles. Hérissé. Frères et sœurs, c'est comme si l'Éternel t'a montré la préparer contre Babylone. L'a fait arrangement, tout Jean le bras le faire pour le détruire Babylone. Ouais, nous t'es dans chapitre 50, là où t'as parlé de Babylone, jusqu'à présent, on est en Babylone, c'est parce que Babylone, c'est pour un petit bagaille lié. Et je regrette ça, oui, si on a, si on t'a reporté dans Babylone, ranger quoi parce que nous connaissons des événements qui passent des zones sous la terre yo relé au Babylone bon me souhaite que vous arrivez au Babylone là son connotation comme ça a fait alors frères et sœurs l'Éternel dit élevez bannière dans pays là sonnez trompette parmi dans toute nation préparez nation contre elle ça veut dire contre Babylone appelez contre et contre elle les royaumes d'Ara, royaume de Mini, royaume d'Askenaz, avec tout ça une série de peuples oui. Établissez contre elle des chefs, l'Éternel dit, mettez chefs, employez monde, fait arrangement pour qu'à débarquer comme sauterelle pour y écraser Babylone. Pour y écraser Babylone. Frères et sœurs, préparez contre elle les nations, les rois de Médie, notez pas l'audé ça déjà, les gouvernements et tous ses chefs et tout le pays sous leur domination. Tout net, l'Éternel mettez en branle pour prendre direction un seul pays, prendre direction Babylone. La terre s'ébranle, verset 29, elle tremble. Car le dessein de l'Éternel contre Babylone s'accomplit. Il va faire du pays de Babylone un désert sans habitants. Alors, vous entendez? Dans verset 29, là, l'Éternel dit la terre est ébranlée, la terre a tremblé. Hein? Et plan que l'Éternel te gen contre Babylone, il arrive dans l'air pour l'accomplir. Hein? Il dit l'Éternel va faire Babylone tourner un désert côté que pas de monde qui peut habiter là-dedans. Alors, frères et sœurs, anon mette de l'eau dans divin, non? Des fois, yon ti l'ajan non gen, yon ti kaye non gen, yon ti travail non gen, ousman, kek mauvais esprit non pran ki ba non ti ba économique, non kampe kon gwo to ou nap gonde kon mal lion. Moun pa ka pala ave non, tellement non ou, anbe mabdou, yon badje, l'Éternel ka fo pa vo an yen. Yon badi yo ka chacho yo pa wè. Alors l'Éternel continue pour le dire, les guerriers de Babylone cessent de combattre.
Ils se retirent dans les forteresses. Leur force est épuisée. Ils sont comme des femmes. On met le feu aux habitations, on brise les barres. Ça, on l'a dit, la fraise, c'est. Et soldats babyloniens, ils viennent arriver dans le degré, ils n'ont pas qu'à bataille encore. Côté côté, dans la forteresse, ils sont sauvés, ils sont sauvés, ils ont cherché rag-bras, ils ont cherché trou, ils ont cherché grotte, ils ont cherché côté pour le cacher, parce qu'ils n'ont pas de force encore. Ils ont couru, des femmes. Ou konnen non ou konnen noté dou ça fois dernière dans étude biblique fòm yo sakrive yo fòm nan gon lè krive fòm nan et li pa ka fè face avec yon difficulté aller ou kontande kon ou tande kon ya la gon série de fòm k ap di pou ki sa yo pa mete yo nan l'armée pou ki sa yo pa voye nan la guerre pou ki sa et bien gen kote voye gen kote fòm nan pa ka résister hein si l'Éternel et montre ça la frères et sœurs. Nous pensons nous-mêmes nous ne comprendre ça. Si l'Éternel qui dit soldats, ils sont devenus comme des femmes. Donc nous ne comprenons pas comprendre ça qu'il dit là. Ça veut dire qu'il y a des situations arrivées, les jeunes bonnes ni là, ils ne peuvent pas continuer. Ils ne peuvent pas continuer, ils ne peuvent pas résister. Ah, mais c'est ça, l'Éternel fait comparaison là. Oui, c'est ça. Moi-même avoir on connaît que c'est pas nous-même qui fait la femme, c'est bon Dieu qui fait la femme. Si bon Dieu prend exemple ça sur la femme, non pas qu'à gonder sous bon Dieu ni la femme n'a pas qu'à gonder sous bon Dieu. D'ailleurs, n'a pour tout gros bagage qui dur yo à travers le monde et à travers les âges, c'est l'homme bon Dieu t'a utilisé pour faire yo. Qu'on y a là il y a des bagages la femme besoin faire mais m'abdou très certainement il y a des bagages si femme n'a le faire ou mettre qu'on aurait plus de chances pour faire échec selon la bible parce que ouais et le Jérémie prend plusieurs exemples en ce sens. Alors la parole là dit là les courriers se rencontrent, les messagers se croisent pour annoncer au roi de Babylone que sa ville est prise par tous les côtés. On voit, on connaît les gens type de bail ça, mais ça absorbe pas si pas là. Mais ça absorbe pas si pas là pour dire mais ça crive. Ah mais l'Éternel disait message sur message qui a venu pour dire wa Babylone nan mais ça crive. Frères et sœurs, venons moment pour nous finir. 41 20 74 33 36 76 58 73. Que l'Éternel rete avec nous, dirige nous, oriente nous, permette nous mettre parole bon Dieu en pratique.